Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite introduction sur une prochaine série que vous allez bientôt découvrir sur ma chaîne, sur Star Wars Battlefront 2. Alors, j'ai profité de l'occasion, il y avait les soldes sur le store Xbox, sur la plupart des jeux EA, Electronic Arts, et je suis tombé sur ce Star Wars Battlefront 2. Je l'ai payé 6 francs suisses, attention, je précise. Voilà, j'avais joué au premier épisode, j'avais beaucoup aimé, et ce deuxième, il m'intéressait aussi, mais malheureusement, il y avait toutes ces critiques, hein, avec ces microtransactions et tout ça, et donc finalement, j'ai fait l'impasse sur ce jeu, mais aujourd'hui, pour 6 francs, et faut quand même pas se foutre la gueule du monde, hein, j'ai profité de l'occasion. Alors, je suis un fan, hein, de cette saga Star Wars, mais je suis plutôt de la vieille école, la vieille époque. Je préfère mieux les épisodes, les premiers épisodes qui sont sortis. Attention, les épisodes dans le temps, hein, pas l'histoire. Voilà, je trouve que les derniers, il y a beaucoup trop d'effets spéciaux, c'est trop spectaculaire. Voilà, je trouve qu'ils sont moins intéressants à regarder, mais ça m'empêche pas, hein, de toujours rester autant fan de cette saga. Et je vais vous montrer quelques figurines que j'ai. Alors attention, ils sont issus du jeu Disney Infinity, vous savez, hein, vous avez ce plateau et vous mettez vos figurines dessus et ils apparaissent directement à l'écran. Il y a sur la plupart des dessins animés ou des films Disney, on a le monde de Harlow, le monde de Nemo, on a Cars, on a Mickey, Minnie, voilà. Donc d'habitude ils sont juste là derrière, hein, c'est ces figurines-là. Donc, on va regarder les figurines que je possède sur Star Wars. Donc, pour commencer, on retrouve Rey et son compatriote Finn, qu'on retrouve dans le Réveil de la Force, hein, vous savez, où ils doivent combattre Kylo Ren, un héros que j'ai apprécié un bon moment du film, jusqu'à ce qu'il enlève son masque. Là, ça a été la douche froide, hein, je trouve que la tête correspond pas trop au méchant, mais bon, ma foi, chacun ses goûts, hein. Attention. On ira les remettre après, là-bas, hein. Ne vous inquiétez pas, les amis. Et le prochain héros, hop là, c'est Anakin Skywalker. Attention. Ici, c'est ma chaîne, c'est moi le héros, d'accord? Hein? Anakin Skywalker qu'on retrouve dans l'attaque des clones et la revanche des Sith. Hein? Tout le monde connaît son destin. Il finira par être attiré du côté obscur de la Force et il deviendra bientôt Dark Vador. Et en parlant du loup, Dark Vador, eh ben, il est là. Tout, 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 tout. Voilà, notre ami Dark Vador. Méchant emblématique de la saga Star Wars qu'on retrouve quasiment dans la plupart des épisodes. Hein, peut-être un des méchants les plus appréciés, hein, du monde du cinéma. Voilà. Qui a sorti une phrase culte, hein, Je suis ton père, dédiée à son fils, Luke Skywalker. Et ensuite, on retrouve un Jedi, ou précisément une Jedi. Voilà. Je ne sais pas son nom. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Je crois qu'on la retrouve dans l'attaque des clones. Hein. Normalement, elle a deux sabres laser, hein, mais elle en a perdu un. Merci aux enfants. Hein. Et puis, bon voilà. Hein. Je suis désolé, il n'y a pas grand-chose à dire sur toi. Je connais pas ton identité. Hein. Elle m'est sortie de la tête. Je vois ta tête dans le film, mais non. Autrement, désolé, ma petite. Alors maintenant, un des méchants que j'apprécie le plus après Dark Vador. Il est excité de venir, hein. Oh. Qu'on retrouve dans la menace fantôme. Dark Maul, regarde-moi ça comme il est beau. Il est magnifique, hein, avec son double sabre laser, Dark Maul. Juste magnifique. Hop là. Malheureusement, il va avoir une fin tragique. Attention, alerte spoiler pour ceux qui ne veulent pas savoir ce qui va se passer, qui n'ont pas encore regardé les épisodes. Il va se faire couper en deux. Dans un combat épique contre Obi-Wan Kenobi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'aime beaucoup ce méchant. La gueule qu'il a. Voilà. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo d'introduction sur Star Wars Battlefront 2 que vous allez prochainement découvrir sur ma chaîne. On fera le mode histoire. Il n'est pas très long, à peu près 5 heures de jeu. Et puis si vous appréciez bien, on ira faire le mode multijoueur. J'étais assez fort sur le premier opus.
dans les airs avec les vaisseaux, les X-Wing et tout. Donc on verra si c'est toujours le cas. En tout cas, les amis, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous serez nombreux à venir regarder ces vidéos sur Star Wars Battlefront 2. Et puis moi, je vous souhaite une excellente journée. Allez, les amis, à tout bientôt. Ciao! Le combat épique va commencer. Yeah! Ciao!